Je remercie maman et beaucoup de pour de maman. Je suis vraiment très flattée pour votre aide. Maman, je ne savais pas qu'il y avait des gens ici dehors qui pouvaient m'aider comme ça sans toutefois me connaître vraiment. Donc je vous remercie. Donc merci vraiment beaucoup pour votre aide. Ah la famille, quand j'écoute les paroles de Mary Jean, de pleurer. Tellement vous avez un grand cœur. Souvent vous dites que nous, Suzanne et Christian et moi, que nous avons un grand cœur, mais vous avez encore beaucoup plus. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas les gars, ça va aller en tout cas. Ça va aller, on espère que ça va aller pour Marie parce que je vous assure que les gars, on a très mal dormi. Moi particulièrement, j'ai passé toute la nuit à dire que est-ce que donner vie devait être un peu comme une punition. Est-ce que donner vie c'est toujours une grâce. Mais elle est tellement enfuie dans les difficultés avec tout ce qui se passe là avec son bébé. Pourtant, à l'époque de nos parents, ils partaient juste à l'hôpital comme ça. Hein, ils poussaient. Souvent même, ils ne partaient même pas à l'hôpital. En chemin pour l'hôpital, Dieu faisait son miracle. Mais de nos jours, tellement les choses sont compliquées. My God, my God. Hier, vous avez vu ce qui s'est passé. Marie était en pleurs. Elle a craqué. Elle n'a pas pu garder son émotion au calme et ça nous a tellement touché en fait. La situation est simple, on va beau le dire, l'amour, c'est la modernisation, Suzanne. À l'époque de nos parents, on accouchait même dans les champs, on n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital parce que tout ce qu'on mangeait était tellement confort. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, les choses sont devenues compliquées. Les hommes maintenant utilisent la médecine pour se faire des sous. Donc, il faut déprimer au maximum. Ce qui se passe avec le cas de Marie, c'est quoi? Nous sommes arrivés à l'hôpital l'autre jour, on a pris son enfant. On a mis le bébé dans la couveuse parce que le bébé avait un souci. Le bébé, le cordon ombilical était attaché sur son cou. Apparemment, d'après ce qu'il dit. Suzanne, c'est ce que les médecins disent. Tu n'es pas médecin. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils sont prêts à prouver avec leur document. Mais je n'ai pas donc, dit. Ça veut dire que nous, on ne peut pas contredire ce qu'ils ont dit. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire? Ils avaient refusé catégoriquement de donner le remède à Marie pour soigner sa blessure déjà passée, la touchée par césarienne. Exactement. Et là, maintenant, on était obligé d'aller payer de l'argent, on a donné une contribution, ils ont commencé son traitement. Mais chose curieuse, quand nous sommes rentrés à la maison, vu nos activités, c'est pas facile aussi avec nous, avec toutes nos charges, nous sommes revenus à l'hôpital un jour plus tard, on s'en rend compte que les traitements qu'on a donnés à Marie, ils avaient encore arrêté, parce qu'il fallait encore Marie, on manque encore de l'argent, parce qu'il y a un costaud montant les gars, ça il faut le dire. Sur le montant même, ce n'est que 1 500, 2 000 $ au niveau de l'Afrique, c'est énorme, surtout d'ailleurs pour les gens. Ils ne font pas grand-chose. Surtout qu'ils ont d'abord préparé leur accouchement au départ. Ils n'avaient pas prévu les complications. C'est un peu ça le souci. En fait. Oui, c'est que c'est un couple jeune. Ils savent que quand ta femme ou ta copine est enceinte, vous allez à l'hôpital, vous allez accoucher, vous allez rentrer comme si de rien n'était. Mais les jeunes n'ont pas su que ce qui devait les arriver. Ils ne savaient pas qui pouvait arriver. Et on prend les ciseaux. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ils préfèrent plus ouvrir. Parce qu'il faut qu'ils gonflent les factures. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'ils ont fait ou je ne veux pas dire. Parce que généralement, les cas de césarienne viennent sauver la mère et le bébé. Dans la majorité des cas, comme ça a été mon cas pour moi. Étant même dans les pays développés, c'est une césarienne qui avait sauvé mon bébé et qui était presque sans vie en moi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il va très bien. Donc la césarienne, dans la majorité des cas, n'est pas toujours, c'est-à-dire, je ne sais pas, tellement ça fait du bien, deux fois ça fait du mal, on ne peut pas vraiment savoir si une césarienne était nécessaire vraiment ou pas, mais tout compte fait, tout ce qui va dans le sens de l'hôpital, généralement, ça contribue beaucoup plus aux intérêts de ces gens-là, parce que si ces gens-là étaient vraiment là pour le bien-être humain, s'ils étaient vraiment là parce qu'ils se soucient vraiment du bien-être des gens, comment une femme après une césarienne, on laisse une femme, aujourd'hui déjà où on vous parle, je crois que ça fait déjà le troisième jour qu'on ne l'a pas administré les soins. Sachant que pour enlever le bébé dans le ventre d'une femme, on coupe son ventre à plusieurs niveaux. Donc, ne prenant pas le soin pour que sa blessure puisse guérir, cicatriser de l'intérieur normalement, je crois que vraiment,
J'ai déjà eu à voir les cas de femmes à l'hôpital comme ça. Elles ont perdu la vie parce que là, il y a le pus qui a commencé à se former dans leurs blessures. Et jusque-là, parce qu'on ne l'administre pas les soins, on ne peut pas lui laisser partir. Elle est là un peu comme dans une prison où elle est en train de mourir à petit feu. Et ce corps médical-là est en train de l'observer mourir à petit feu parce qu'ils savent qu'ils ne l'administrent pas les soins et sa blessure est en train de pourrir. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Mary avait une costaude facture. Il y avait une caution déjà qu'il fallait payer. Il y avait d'abord les frais pour la césarienne qui n'avaient pas été payés. Il y avait encore d'autres factures en plus qui n'avaient pas été payées. Ils avaient dit que s'ils ne payaient pas, au moins, ils avaient un montant précis. Mmh. Que si elle ne payait pas, on ne devait pas la donner des soins. Nous sommes venus, nous avions décanté cette situation. Mmh. Mais on a donné les soins pour l'instant présent parce qu'il fallait qu'on soigne ce mal. Mmh. Et entre-temps, nous, on croyait que quand ils devaient rester par derrière, le peu d'argent qu'ils avaient, ils pouvaient payer encore. On continue les soins. Mmh. Mais chose curieuse, quand nous rentrons à la maison, un jour plus tard, on les appelle. Ils nous font plutôt comprendre qu'ils ont dit qu'il faut qu'on apporte encore un peu d'argent pour que on continue. Voilà. Et là maintenant, ce que nous apprêtons à faire maintenant, c'est quoi les gars? Nous allons encore aller à l'hôpital parce qu'on ne peut pas la laisser ne pas prendre des soins. Une vente qui a été ouverte. Oui. Pour les femmes qui ont déjà fait des césariennes, imaginez que si vous n'êtes pas en train d'être soigné, vous imaginez les conséquences. Donc ce que nous allons à l'hôpital faire maintenant, nous sommes encore obligés de dépenser des sous. Oui. Nous, on ne peut pas vous promettre la famille ou bien nous, on ne peut pas les rassurer aussi. À notre modeste niveau, ce qu'on va faire, on va encore aller décanter la situation pour qu'elle puisse suivre son traitement. Mais quant à la caution et le montant qu'elles vont payer à l'hôpital, nous comptons sur vous les gars et nous comptons aussi sur la famille de Mary parce que ce n'est pas facile à leur niveau seul pour qu'on puisse décanter ensemble cette situation. Mais à notre modeste niveau, ce que nous allons faire, notre but c'est quoi? C'est de décanter la situation parce qu'on ne peut pas la laisser Suzanne. Mais il y a ne pas suivre les soins. Mais il y a un problème qui se pose, les gars, qui m'agace vraiment, parce que, qui m'intrigue, je crois qu'il va dire ça plutôt comme ça. Quand nous sommes partis à l'hôpital, le jour où nous avons fait notre modeste contribution, ce jour-là, ils avaient dit, donnez au moins un minimum de tel montant, parce que la facture est costaude, vous n'avez pas donné quand même, parce qu'ils étaient en train de donner les montants dont l'hôpital ne voulait pas. Ils voulaient qu'ils fassent encore des efforts pour donner un montant un peu important. Ils n'arrivaient pas à le faire, on l'avait laissé sans soins. On arrive à l'hôpital, on donne donc ce montant et ils reprennent les soins de Mary. Mais aussitôt ils ont repris les soins, aussitôt ils ont arrêté. Je crois que ça faisait peut-être 48 heures qu'elle n'avait plus reçu les soins après qu'on soit parti. C'est là on l'appelle, on voulait s'apprêter à aller encore lui rendre visite. Elle dit donc qu'elle est sans soins depuis que nous sommes partis. Ils ont également arrêté avec les soins. Pourtant ils avaient promis que ce montant-là devait être le montant qu'ils exigent pour au moins lui donner un minimum de soins jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Monsieur Christian donc, avec le montant qu'il dit qu'on va encore aller donner. Je ne refuse pas, on va le faire, d'accord les gars. Mais notre inquiétude, c'est qu'après avoir donné le montant là, qu'ils refassent ce qu'ils ont fait précédemment. C'est-à-dire, ils prennent le montant, oui, ils encaissent. Et ils donnent les soins à ce moment-là. Et après, ils ne donnent plus les soins, ils exigent encore un autre montant à chaque fois. Parce que c'est un peu comme l'aider et ne pas l'aider. Parce qu'on donne ce montant, c'est, après ils redemandent encore davantage. Imaginez-vous que quelqu'un est dans un problème où il faut par exemple dépenser 700 000 francs CFA par exemple. Par exemple, vous venez, vous donnez votre modeste contribution de 100 000. On commence les soins. On dit 600, ça, on ne commence pas. On commence les soins. Après, dès qu'on a commencé, on arrête encore. On dit, OK, si vous ne donnez pas encore notre 100 000, on ne continue plus avec les soins. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu quelque chose, c'est un peu comme un tunnel qu'on ne voit pas le bout, en fait. Vous voyez un peu, à chaque fois, il y a des obstacles et on ne prévoit pas ce qu'ils vont dire après. Donc, à cet effet, les âmes de bonne volonté qui continuent à regarder, qui ont regardé la précédente vidéo, parce qu'au moment où on vous fait cette vidéo, l'autre n'est pas encore en ligne, la précédente vidéo. Donc, espérons que vous allez réagir. Vous avez toujours le numéro WhatsApp qui affiche là pour ceux qui veulent faire un mobile money ou bien vouloir envoyer l'argent soit par MoneyGram ou par RIA, je ne sais pas quoi trop. On vous donnera les coordonnées de Mary, de Mary, les coordonnées à eux pour que vous puissiez les envoyer directement. Vous, si vous avez des choses, c'est-à-dire, c'est un peu comme notre moi, parce que vous êtes toute une communauté qui nous regardez. On ne sait jamais. Peut-être la solution de Mary peut venir par vous. Un modeste montant. Avec plusieurs personnes donnent un peu, finalement, je crois qu'on va pouvoir sortir de cette situation, en fait. Et aussi, pour que je... Au moins, le montant était un peu souple. Ce que je veux aussi compléter, c'est quoi, Suzanne? Moi, je ne condamne pas cet institut sanitaire. Pourquoi? Parce que j'ai eu à causer avec la responsable comptable de cet institut. Elle nous a fait comprendre qu'au départ, quand les gens venaient dans la situation de mari, ils prenaient soin. Et là, maintenant, il fallait que le mari ou bien quelqu'un de la famille, il fallait qu'il s'assure seulement à connaître
la maison, là où ils vivent, là où s'ils ont un toit. Mm-hmm. Là, il fallait maintenant que quelqu'un puisse prendre, faire un moratoire mm-hmm. et prendre dans, et prendre un engagement pour payer. Mais quand ils se sont rendus compte que quand les gens venaient faisaient ça, mm-hmm. après même quand ils étaient dans tout le sujet, ils remettaient même plus tard, même ils remettaient le bébé. Mm-hmm. Mais tard dans la nuit, ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, Suzanne? Ils venaient avec la moto, ils préparent tout, ils sont là, ils jouent sur la vigilance du corps médical. Mm-hmm. Quand ils sont un peu distraits, ils portent leurs enfants, mm-hmm. ils s'enfuient. Mm-hmm. Ils quittent même la maison qu'ils ont montré, qu'ils vont loger là-bas. Ce n'était même pas leur maison. Imaginez-vous le corps médical, s'il y a un cas comme ça, s'il y a deux, s'il y a trois, s'il y a cinq. Mais ils vont payer leur personnel avec quoi? Moi, je pense qu'il y a des gens qui viennent détruire la route pour d'autres personnes. Parce que quand je vois ce jeune couple, mari et son gars, moi je pense qu'ils sont de bonne moralité. Donc le garçon n'a pas de. Il n'est pas tenté de s'opposer pour payer ce soin seul. Oui. Il a juste prié qu'on lui donne la possibilité de pouvoir réunir les moyens au fur et à mesure. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Ils veulent qu'on leur donne l'argent. Là. Donc vraiment, dans la vie, personne ne peut prendre soin de vous mieux que vous-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire exactement que. Si l'institut sanitaire est là vraiment pour le bien-être de la population, je crois qu'ils sont là pour leur business. Et il ne faut pas qu'on crée les trous dans leur business. Donc, je crois que vous avez donc, déjà compris. Donc, la seule chose que je puis dire, la famille, sachez qu'en Afrique, quand vous n'avez pas les moyens financiers, l'état de santé, votre état de santé, vraiment, c'est inquiétant. Exactement. Parce que dans nos instituts sanitaires, quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas droit à la santé. Oui, c'est tout ce que je peux vous dire. Et malheureusement, voilà les gars, je crois qu'on va arrêter comme ça. Parce qu'il y a une voiture là qui fait le bruit, ça nous empêche vraiment de poser avec vous. Donc ce qu'on va faire, juste on va prendre la route, ok? On va se retrouver à l'hôpital, on va voir Mary. J'espère qu'on va voir le bébé aujourd'hui. Parce que depuis là, on voit le bébé comme ça à travers un trou. Donc les gars, aujourd'hui j'ai gardé à Mary. J'ai gardé le vin blanc. Le vin blanc naturel, c'est bon pour le remonter de lait de bébé parce qu'elle donne le sein à l'enfant aussi par la même occasion. Je crois on va aussi acheter quelques 2-3 trucs qu'on va lui faire garder avec. Ok, les gars. Donc, je crois que la barrière est déjà fermée, les gars. On y va. La famille, c'est notre arrivée à l'hôpital. Comme ça, vous allez voir, la nuit est déjà tombée. Je suis passée au marché, je n'ai pas pu trouver les oranges. Donc, j'ai dû vivement garder le vin blanc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment, nous sommes dans une situation. Le vin blanc qui fait quoi? Qui facilite, qui favorise la tétée de bébé? Oui, il faut bien préciser. Le vin blanc est très bon pour le remonter de lait. J'imagine qu'elle est déjà avec son bébé dans ses bras. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les occupations nous ont imposé de venir qu'à Paris. Je ne sais pas si vous allez bien voir le bout de chou parce qu'il est tout mignon. Je vous assure, je l'ai aperçu uniquement à travers ça. Des vitres l'autre jour. Les gars, j'arrête de bavarder. Hein. On se concentre pour voir le bébé. Mary. Tous les autres gens font partie. C'est comment? Dans la salle. C'est comment ton visage est passé comme ça? Ils sont encore. Pourquoi on est parti? Et ta blessure, tu la sens comment? Elle est mal. Mais ils ont encore. Et on te donne rien avaler. Est-ce que c'est le pansement qui soit la blessure? La blessure là, c'est le truc qu'on te donne en aval. Ils n'ont rien. Voilà, j'ai dit à maman qu'il achète en ville là-bas. Et ce que maman a acheté en ville, tu es quand même sûr de ça? C'est ce qu'on allait prescrire ici là. Maintenant, s'ils reprennent soin de toi alors? Il va reprendre soin quand? Est-ce qu'il va reprendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'on est parti, quelqu'un est revenu, on lui a encore donné un peu d'argent, rien du tout. Il y a plus d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils t'ont remis le bébé, ils sont en train de prendre soin du bébé. Le bébé est tout mignon. Laisse-moi d'abord porter. Il est tout mignon. Ah, mets son pantalon alors, maman. Il est tout mignon. Aïe. Lâchez de plus de ça. Félicitations encore, ma chérie. Merci. Ça va aller. Je vois que tu as l'air trop triste. J'ai l'air très haut. Non, papa. Papa quoi? Papa. Non, il y a que de la vie. Tu t'es marié au cousin pendant une semaine. Vous allez sortir. Non, maman, si tu ne fais pas plus d'argent, je ne vais pas te laisser partir. Ah, maman. Il ne peut même pas. Il y a un jour juste pour je vois. Tu donnes bien le bébé, le petit à bébé, ça va bien. Je voulais t'apporter les oranges, mais ce qui se faisait tard, je voulais t'acheter les oranges. Ouais, ça va aller, tu marches un peu même. Oui, oh. Ah, c'est ça, mon
Ça va aller, non, mamie? Quand il dit que ça va aller, tu as compris, non, maman? Ouais, Asya. Il est mignon. Bah, si vous voulez rentrer avec leur bébé, mais ils rentrent seuls avec leur parcours, le bébé est resté. C'est ça que tu voulais. Deux fois même. Suzanne, attends. C'est ça que tu voulais. Il y a des gens qui arrivent aussi à l'hôpital souvent, ils passent avec le bébé. C'est ça que tu voulais. Deux fois même, c'est le bébé qui rentre seul à la maison. Donc, il faut être positif, ma chérie. Il faut être positif. Nous, on est là. Tu connais toutes nos occupations. On a manqué de venir. De venir ici te regarder. La dernière fois, là, ils avaient arrêté de faire les soins. On allait payer ce qu'on a payé. Ils ont commencé à faire des soins, non. On est venu aujourd'hui. On va encore payer ce qu'ils sont en train de demander. Ils vont encore reprendre des soins, non. On est en train de se battre pour toi comme ça, ma. Tu as encore à te pleurer. Il ne faut pas pleurer. On a fait une vidéo hier. J'allais mettre ça en ligne, mais je n'ai pas. C'est tout à l'heure là, mais au moment où je parle, là, peut-être que c'est allé en ligne. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière la caméra qui vont te soutenir aussi à leur niveau. Peut-être que le soutien qu'ils peuvent te donner, ils peuvent m'avoir resté après pour que tu essaies d'organiser un peu les trucs, l'eau de bébé, te remettre et tout. Tu comprends? Donc on est en train de faire tout ce qu'on peut, ma, pour toi. Tu connais comment on est occupé. Mais on n'a pas manqué de venir ici là. Je n'ai pas manqué. Même le temps de préparer, souvent je n'ai pas le temps. Tu me connais. Ça n'a pas manqué que j'ai fait des efforts pour toi. Parce que je comprends que tu n'as personne sur qui tu peux vraiment compter dans les circonstances pareilles. Mais il y a des circonstances où on n'allait pas à part. Ta situation, elle est gérable. Si bébé était resté, tu peux payer encore quelque chose. Non, réponds clairement. Hein? Si toi tu étais resté, ta famille pourrait encore payer pour que tu reviennes. Bon, on a un problème financier qui peut être résolu. J'ai appelé la responsable comptable, elle est en train d'arriver. Je vais essayer de causer avec elle sincèrement. Là maintenant, on va prendre soin de toi comme ça se doit. Et je pense qu'on va donner un mot à toi, ton gars, pour qu'il prenne son temps pour essayer d'éponger la fortune. Tu as un domicile fixe, c'est ça qui est le plus important. Elle va se porter garant. Moi, je vais me porter garant pour la suite. Parce que je me porte garant à un niveau. Au cas peut-être tu montres une maison, que ce n'est pas ta maison. Ou tu peux être fui. Moi, je vais venir répondre à ça. Mais moi, je sais que avec votre bonne foi, ça ne peut pas vous dépasser de payer. Est-ce que tu as besoin de pleurer? Tu penses que Suzanne et moi, on laisse notre maison, on laisse nos enfants pour venir ici pour que ta situation reste pas. Mais chaque temps. C'est quoi essayer de trouver une solution? Est-ce que tu as besoin de pleurer? Donc prends ton bébé, tu remercies Dieu. C'est ça qui va te donner la force. Un bébé qui va faire les pranks. Je dis que un bébé qui est venu dans le cinéma, ça c'est le bébé star. Peut-être que tu ne connais pas. Ça c'est un bébé star. Je te jure que ça c'est un bébé star. Peut-être que tu ne connais pas. Un bébé qui a commencé les prendre, c'est pour moi il est mignon. Aïe. Je pense que tu vas encore coucher avec les garçons. Hein. Non, il reste que le porter. Il était déjà prévenu. Il reste que le porter. Je pense que c'est un bon garçon qui va venir. Non, j'ai accouché trois garçons. Seigneur, si tu veux encore me donner le bébé, même si c'est que le garçon, que la grâce de Dieu soit faite. Ça va, mon bébé, bonne arrivée, mon bébé star. C'est tout mignon. Il ne va pas te déranger. Le bébé qui dérange pas son comme ça. Oh, il est net comme les garçons là quand ils sont raisonnables. Nous sommes à l'hôpital présentement. Pendant qu'on était en train de vous faire cette vidéo, si là, au même moment, on a mis l'autre vidéo
la précédente vidéo qu'on a fait avec Mary en ligne. Et présentement où nous sommes, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai causé, étant à l'hôpital avec Mary. Vous avez même, plusieurs d'entre vous ont parlé avec Mary. Mais je suis en train de m'apprêter à partir. Mais ce que je l'ai dit jusqu'à présent, c'est que vraiment, j'ai été très touchée de voir comment il y a tellement de mamans, tellement de tontons, de tatas, de petites sœurs qui regardent cette vidéo et qui ont vraiment un très grand cœur. Vraiment que Dieu vous rende tout ce que vous faites pour Mary, que Dieu vous rende ça au centuple. Je vous parle avec Mary à témoin. Mary, juste parce qu'on vienne au Cameroun cette fois-ci, je n'ai jamais connu Mary avant. On ne sait jamais, c'est-à-dire même quand vous passez en route, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous dites bonjour, bonsoir. Même un bonjour, bonsoir, on ne sait jamais connu. On ne sait jamais dit avant. Et oui, Suzanne, ça me permet également de comprendre que Dieu ne met pas les gens dans votre vie au hasard. C'est, il y a de cela 2-3 jours que je me suis rendu compte que le but qu'on rencontre Mary, c'était pour une mission bien précise. Il fallait que nous soyons là pour la soutenir. C'est, moi, je pense que c'est pour cette mission que Dieu nous a destiné à rencontrer Mary. Exactement. Et exactement. C'est pour ça que je comprends. Ça me permet, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui comprennent la parole de Dieu, ils vont comprendre que le hasard n'existe jamais, jamais dans cette vie. Quand Dieu met quelqu'un dans votre vie, soit il viendra en bien, soit il viendra en mal. Mais nous avons compris le rôle que Dieu a mis, mais le Seigneur sur chemin. C'était pour que nous venions à ce moment particulier pouvoir l'assister. Exactement. Et surtout grâce à votre aide, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous allez voir que dans une des premières vidéos que vous nous avez vues avec Mary, je dois dire que c'était l'un des premiers contacts aussi avec elle, nous avec elle, et aussi avec vous par la même occasion. Et nous nous sommes mises un peu à la place de Mary parce que nous avons été aussi dans une situation où on arrive à l'hôpital et malgré même qu'on avait le minimum, les choses ne se passent toujours pas comme prévu. Et on a dit, Seigneur, avec le cœur que nous on a, on ne peut pas voir Mary dans une situation comme ça et ne pas réagir. Donc, si tu as 2-3 mots à dire à ces gens-là qui sont en train de contribuer pour que tu puisses sortir de l'hôpital, et avant de donner la parole à Mary, vous allez avoir la traçabilité. C'est vrai, il y a plusieurs d'entre vous qui ont dit, Suzanne, je préfère gérer ça en privé. Bon, c'est vrai, on respecte vraiment la vie privée de vous qui nous regardez, vous qui êtes en train de contribuer. Mais rassurez-vous, on va vous rendre compte, ok? Donc, Mary, donne 2-3 mots là-bas avant qu'on ne ferme la caméra. Comme ça, merci vraiment. Je suis une maman très pratique, je ne savais pas qu'il y avait... Il y avait des gens ici dehors qui pouvaient m'aider comme ça sans toutefois me connaître. Donc je vous remercie. Et je suis vraiment grâce à tonton et Christian et la Suzanne. Donc sans ces deux personnes-là, vraiment, je ne sais même pas quoi faire. Je ne savais même pas où je pouvais aller parce que j'étais à dépasser. Franchement, j'étais dépassée. J'étais à désaxer au fait. Donc, c'est l'homme pour laquelle j'essayais de pleurer même seule. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Donc, dans ma tête, je suis à tout le monde. Il m'a calé ça, il m'a donné ça un an. Quand j'ai quitté un jour, j'ai mon enfant, il m'a avoir 2 ans qui est sorti. Donc merci vraiment beaucoup pour votre aide. Ah, la famille, quand j'écoute les paroles de Mary, j'ai envie de pleurer. Tellement vous avez un grand cœur. Souvent vous dites que nous, Suzanne et Christian et moi, que nous avons un grand cœur, mais vous avez encore beaucoup plus. Vous êtes nombreux à réagir, à continuer de réagir, continuer toujours à réagir, afin que Mary puisse sortir de l'hôpital et pouvoir acheter le lait de son bébé et pouvoir sourire, donner le sourire à une famille. Des gens que vous ne connaissez pas, tout comme ça a été pour nous. Mais dans la vie vanité des vanités, merci encore sincèrement de tout cœur. Donc on va laisser Mary avec son bébé, elle est en train de donner le tété au bébé avant que bébé ne dorme. Elle aussi, elle n'est pas encore vraiment en forme. Je crois qu'elle a tout dit, je n'ai même plus besoin de trop bavarder. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time.